Kuto Chuayo. Gold TV. Gold TV. Cool. 네, 꿀TV 구독자 여러분 안녕하십니까. 꿀TV의 혁혜입니다. 오늘 제 영혼의 투어. 영혼의 투어 옆에 R팀이 있는데. 아유, 반갑습니다. 인사 한번 드리죠. 안녕하세요, R팀입니다. 이 팔은 왜 그런가요? 이렇게 축구하다가. 네. 부상. 부상. 팔꿈치 부상. 오늘 부상 투혼을 보여주고 있는 R팀에게. 로리스랑 같이. 팔꿈치 부상. 그런 얘기만 안 했으면 좋겠어. 3개월 받았습니다. 네. 네, 저희에게 궁금증이 도착을 했는데. 현재 꿀 브랜드 앰베서더가 새롭게 임명이 됐는데 누군지 아시죠? 자, 프랑스 전 국가대표 레전드. 레전드. 지브릴 시세. 아, 그래서 지브릴 시세가 한국의 패션 문화, 그래서 저희가 전통 문화 한복에 대해서 좀 알려주고 또 한국의 정치를 알려주기 위해 이곳 북촌 한옥마을에 도착을 했으면서 아, 시세가 왔다고 하는데 저희 또 어프로를 한번 불러볼까요? 지브릴 시세. 우! 아, 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 네. 네. 아, 네. 굿 모닝. 또 이 꿀닷컴에서 또 지브릴 시세를 위한 뭐 저희만의 독창적인 선물을 준비했어요. 야, 야, 네. 또 저희가 또 시세를 위한 선물을 준비했기 때문에 그 선물 증정식을 지금 가지도록 하겠습니다. 아, 네. 또아. 엄마 더 유? 엄마네? Very nice. Cool. Yeah. 지금부터 한국의 전통 패션 한복을 시세 선수에게 이제 소개를 시켜주려고 하는데 지금부터 한복을 한번 입어보러 한복을 한번 입고 okay. yeah. 네, 지금부터 이동을 해보도록 하겠습니다. 가시죠. Alright. 저희가 이렇게 옷을 입고 그 다음에 이제 카페로 이동을 해서 저희가 좀 인터뷰를 카페 말고 전통 찻집 전통 찻집, 전통 찻집. 이걸 입고 앞에 이동해서 좀 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 왕이네, 왕. 아, 여기입니다. 제가 보여드릴 것은 여기입니다. 루카페? 예, 루카페. 한번 들어가봅시다. 들어갑시다. 한복 입고 이런 전통 찻집을 가니까 네. 저 지금 처음 해보는 경험인데 네, 저도요. 와, 진짜 왕이 된 듯한 뭔가 해봐라! 이리 오너라! 해봐라! 내가 왕이 될 상인가? 딱 봤을 때 침대 공간이나 이런 구조 이런 뭐 디테일한 걸 장식된 어떻게 생각하시나요? Mais non, c'est beau. C'est beau, c'est des petits salons privés pour être entre amis, je pense, ou famille. Et ouais, c'est très la vue est belle. 축구 얘기를 좀 해볼게요. 2002년 월드컵 때 이제 한국을 방문을 했었는데 그때 어린 나이에 월드컵에 출전했던 소감이 어땠는지. Ah oui, non, c'était à 20 ans, faire sa première Coupe du Monde, faire partie de l'équipe championne du monde en titre. Donc quand nous on arrive, on est encore champion du monde. C'est, ouais, c'est une fierté. Après, c'est vrai que le premier match, on perd contre le Sénégal. Après, on fait match nul contre l'Uruguay et on perd contre le Danemark. On n'a pas fait une Coupe du Monde digne de l'équipe de France est digne d'une équipe qui est tenante du titre. Ça restera une superbe expérience, mais c'est vrai que j'aurais aimé aller un peu plus loin peut-être. Et toi, si c'est 선수 하면 축구할 때도 많은 팬들이 특이한 헤어스타일도 많이 기억을 하고 있는데 본인이 했던 헤어스타일 중에 가장 기억에 남고 마음에 들었던 헤어스타일은 어떤 거? Mais j'aime bien quand je suis court et blond.
아 금발 머리 그게 또 많은 팬들이 가장 많이 기억해 주고 있네. 와, c'est que c'est les gens me les gens se rappellent de moi comme ça. 일단 차를 와 가지고 차를 하나씩 오미자차 따뜻한 거예요. 아, 오미자차 따뜻한 거. 보세요. This is for you. 꽃얼음 차예요. 아, 꽃얼음. 좋아요? 이게 감기에 좋아. 응, 그 얘기 있어. 이게 좋아. 지금 엄청 바빠. 응. 어, this is good? 과 좀 닮았다는 K-pop 걸그룹과 닮았다는데 소녀 시대 수영 수영이랑 시세 선수 이렇게 비교한 사진들이 있다고. 어? 시세. No. 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 요즘 닮았는데. It's a girl. It's a girl. I don't look like a girl. 아. 뭐 오빠 레쥬예요. 아, je pense qu'il faut qu'il mette des lunettes. 사실 근데 우리나라 팬들 사이에서는 시세 선수 하면은 뭐 챔피언스 리그 뭐 우승자이기도 하고 뭐 굉장히 다양한 클럽에서 좋은 활약을 보였는데 가장 이제 큰 기억은 사실 이제 끔찍했던 그런 부상 두 번이나 당했던 그 부상 그리고 특히나 2006년 독일 월드컵 직전에 당했던 중국전 부상 거기에 대해서 어떻게 생각하는지 혹시 그 부상이 없었으면은 어디까지 더 올라갈 수 있었을지 아 Non, c'est vrai qu'au moment où je me blesse, j'ai tout fait pour revenir en équipe de France, j'ai tout fait pour faire partie de la Coupe du Monde. C'était bien parti, c'était le dernier match de préparation. Et je me blesse contre vos voisins chinois. Et bon, après, c'est plus mentalement que c'est dur. Parce que physiquement, le corps se remet avec le temps et les soins. Le corps se remet, mais mentalement, c'est voilà, faut pas trop se poser de questions, faut pas se dire voilà, est-ce que je vais revenir, est-ce que je vais pas revenir. Il faut être très fort mentalement, et moi, c'est une de mes qualités, c'est que je doute rarement. Et quand il se passe quelque chose, j'arrive à relativiser, et je me dis que c'est pour voilà, si je me suis blessé, c'est qu'il fallait que je me blesse, c'est comme ça. Et en général, j'arrive à vite. Passer à autre chose et à tourner le négatif en positif. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Mentalement, c'est très très dur. Et après, on saura jamais. J'ai pas envie de me poser la question, de me dire voilà, aujourd'hui tu t'es blessé, mais imaginons que voilà, tu aurais joué à la Coupe du Monde, est-ce qu'on l'aurait gagné? Vu qu'on perd en finale, est-ce que tu aurais marqué le but vainqueur? On saura jamais, donc vaut mieux pas se poser la question. Et se dire que voilà, on a fait quand même une belle Coupe du Monde, que ça s'est joué sur un petit détail et que voilà, c'était déjà une fierté pour moi de faire partie de ce groupe-là. 사실 은퇴를 하고 지금 현재 DJ 쪽 일을 하고 있는데 어떻게 이제 그쪽으로 전향을 하게 되었는지. Ben moi j'ai toujours mixé depuis que j'ai appris à mixer, j'avais 14 ans, donc je jouais en même temps, c'était plus une passion. Voilà, entre les entraînements, je me perfectionnais, je m'entraînais. Jusqu'au moment où voilà, j'ai commencé à bien maîtriser le sujet et plus voilà, sur l'été quand j'étais en vacances, mixer dans des endroits d'amis à moi mais sans trop l'annoncer parce que je joue au foot donc je pouvais pas trop le dire non plus. Et voilà, plus on avançait, je me suis perfectionné et je me suis pris au jeu surtout. Et à la fin, ben, le jour où j'ai arrêté le foot, ben c'était logique pour moi de faire ça. Ok, 즐겨 듣는 K-pop 음악이 있는지. Next time I come. La prochaine fois je vais en Corée, il faut que je le rencontre. Je vais rencontrer Jimin. C'est le chouchou de ma fille. Et J-Hope. 우리 손에서 될지 모르겠지만 노력을 해보겠다고. 저희도 될지는 모르겠지만. I'll do my best. 그럼 어떻게 그거를 생각하는지 황희주 선수에 대해서 한번 본 적이 있냐, 황희주 플레이를 본 적이 있는지. 아, 이거. Non, non, j'ai vu quand je vois les highlights, je vois. C'est bonjour.
이거구나. 그렇죠. 조금 전. 와, 벨 équilibre, bel équilibre, bon contact avec le ballon. 그래서 오늘 이 내한을 한국에 온 이제 가장 결정적인 큰 저축이 하나가 이제 골 브랜드 앰베서더로 됐는데 이제 또 패셔니스타로 지금 시세가 되게 유명한데 시세가 봤을 때 골 브랜드는 어떤 브랜드이고 또 어떻게 한번 보시는지. Ben, moi, je, au départ, quand on m'a proposé le projet, je me suis dit, c'est peut-être une marque sportswear qui fait que du sport pour le foot. Donc j'ai dit, bon, j'attends de voir avant d'accepter. Et une fois que j'ai vu les modèles, j'ai dit, ouais, c'est quelque chose de ok, de football, orienté football, mais très bien fait. Donc ils reprennent les codes importants du foot, c'est-à-dire il y a un maillot d'arbitre, il y a le logo est incroyable, le logo il est vraiment vraiment magnifique, et la coupe, donc voilà, vu là, ils ont mélangé un peu la mode asiatique avec les coupes et les oversize beaucoup, et la qualité aussi est très bonne, et donc ça m'a fait voilà, c'était facile pour moi d'accepter. En tant qu'amateur de mode, voilà, en voyant les produits et la qualité des produits, j'ai tout de suite dit oui, et je ne regrette pas aujourd'hui parce que voilà, à chaque fois je vois des plein de nouvelles pièces tous les jours. 이제 또 이렇게 시세 선수하고 좋은 시간을 많이 가져봤는데 시세 선수를 사랑하는 한국 팬들에게 인사 부탁드립니다. Ben vraiment un grand merci pour le soutien. Il y avait des personnes à l'aéroport qui sont venues nous accueillir. Donc c'était vraiment cool. Les gens aussi, voilà, dans la rue, dans les hôtels, et qui prenaient le temps pour venir et discuter avec moi et signer des autographes. C'était voilà, vraiment cool de votre part. L'équipe Gold Studio, vraiment rien à dire, que ce soit niveau collection, niveau vêtements et niveau voilà, personnes qui font partie de la marque. Vraiment, thumbs up, et j'espère vous revoir très vite. Kuto Chuayo. Gold TV. Gold TV. Cool.